Mesdames, messieurs, les abonnés Platine Web TV, bonjour. Bienvenue donc sur le parvis de l'Aquarium pour ce 8e samedi de contestation partout en France et donc à La Rochelle depuis 8 semaines. Des centaines de manifestants se sont une nouvelle fois donné rendez-vous donc partout en France aujourd'hui pour cette 8e semaine consécutive afin de protester, toujours protester contre la loi validée par le Conseil constitutionnel, je vous le rappelle, et qui est entrée en vigueur le 9 août. À La Rochelle, comme partout en France, une fois encore, ils vont exiger le retrait du pass sanitaire qu'ils considèrent comme une mesure répressive de restriction des libertés, de contrainte pour obtenir la vaccination générale de la population et l'abrogation immédiate des dispositions qui remettent en cause le droit du travail. Parmi les revendications, il y a également, et avant qu'on aille faire un tour, comme d'habitude autour des manifestants, il y a également le lancement d'une campagne de vaccination ouverte aux plus de 12 ans qui bloque toujours. Il faut rappeler qu'au 30 septembre, le pass sanitaire devrait devenir obligatoire pour les 12-17 ans lors des sorties scolaires. Voilà, alors nous avançons. Bienvenue encore une fois. Vous avez l'habitude. Je vous ai donné les infos. Et là, on va aller voir les premiers discours. Juste, les mouvements qu'on va faire et les marches que l'on va faire, il va y avoir des points d'arrêt. Il y a une demande particulière pour lever certains amendements. Il n'y a pas de pro-vax ou d'anti-vax. Il n'y a pas des restaurateurs qui font du zèle ou quoi qu'est-ce. On sait qu'il y a une minorité, mais on ne veut pas qu'il y ait des amalgames. Les restaurateurs appliquent les règles, comme les personnes qui vont se faire vacciner pour garder leur emploi. On est tous pliés. Humain, humilié pour certains d'entre nous. Ici, on n'a pas peur. Ok. Là-bas non plus, nous leur donnons pas cette chance de nous montrer du doigt. Donc, restons vraiment sans jugement. Je pense que c'est avec ça qu'on arrivera à créer un dialogue et ramener aussi des professionnels dans ce mouvement. Le pass sanitaire, l'obligation vaccinale, il en est hors de question et on va se battre pour ça! Voilà, je vais me lancer dans les chiffres. Vous savez que j'aime bien me lancer dans les chiffres pour ceux qui nous suivent. Depuis cette semaine, c'est la 8e, mais je n'étais pas là le premier, je vous le rappelle, pour d'autres raisons. Donc, je pars pour le petit chiffre de 1000 personnes. Voilà, c'est déjà... Ah, il faut bien mettre quelque chose, hein. Donc, je lance. Moi, je relance avec 1000. Alors, à vous. Vous allez voir, on va faire comme d'habitude. Je vais trouver un point assez haut. On se mettra au début du cortège, on attendra la fin du cortège et on aura à 20 près, 30 près, la fréquentation de ce 8e mouvement ici à La Rochelle, avec le départ dans quelques minutes du parvis de l'Aquarium. Voilà, donc là, vous êtes les bienvenus sur Platine Web TV Le Live. Nous avons à côté de nous pour vous montrer que ce 8e rendez-vous national à La Rochelle est important puisque France 3 Atlantique est ici. Vous êtes en direct et c'est parti. On va rester calé ici. Le début. Thank you.
Voilà, vous venez de nous rejoindre. Je vous rappelle que vous avez vu depuis le départ, depuis la banderole jusqu'à la fin. On va attendre. Je confirme, je garde ce chiffre de 1000. Vous voyez ce que je vous dis quand on attendait tout à l'heure. Il n'y a pas autant de monde que ça. Dès qu'on donne le top départ, je vous dis, là, il y en a tout de suite 200-300 qui sont greffés. Qui n'étaient pas sur le parvis, qui devaient être derrière. Et je garde ce chiffre encore une fois depuis tout à l'heure. Hein. Je n'ai pas fait de coupure. On reste sur une petite... quand je dis une petite, une grande réunion avec à peu près un petit peu plus de 1000 personnes. Je reste sur ce chiffre. Alors ce qui bloque aussi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la vaccination des 12-17 ans à partir du 30 septembre, notamment pour les sorties scolaires. Ah, celui-là, je l'avais vu il y a 2 semaines, mettons pas ce sanitaire. Excellent. Toujours pas de coupure, donc vous le voyez depuis le début. Oui, monsieur qui était derrière moi parle de 900 personnes, donc je suis pas loin à 1000. Voilà, monsieur calcule à côté de moi. Donc voilà, on annonce bien à peu près une petite poignée de 1000 personnes actuellement sur ce défilé, encore une fois. Alors, on va commencer à voir le bout là-bas. C'est là qu'on va voir qu'on va pas être 3000, 4000. Bonjour. Oui, dites-moi tout. Non, j'ai envie de demander, on vous voit tout le temps. Oui. Vous êtes en direct, monsieur. Ah, c'est super. Tenez, je vais vous donner ma carte. Non, ça pas, sauf si c'est pour... Platine Web TV, c'est pour avoir mes coordonnées. Vous savez, comme ça, vous savez tout. Comment ? La télé qui est installée où ? La télé, elle est sur Facebook et Twitter. D'accord. Merci. Oui, bien sûr. Mais avec plaisir. Voilà. Oh, ça vient d'eux ? Je sais pas d'où vient. Ah, ok, d'accord, ça marche. Ah, ok. Voilà, on discutait, mais... On s'aperçoit que la fin, et on aperçoit la voiture balai, comme d'habitude, ce qui veut dire qu'on est à la fin du cortège et que je resterai sur ce chiffre... Sur ce chiffre d'à peu près 1000 personnes pour l'instant. Il y a un monsieur qui était là qui disait 900, qui les compte, on va lui demander. Vous l'avez revendu ? Non, mais comment on s'en sert ? Ah ben c'est pour avoir mes coordonnées, vous allez sur Facebook ou sur YouTube et vous tapez Platine Web TV, vous allez me retrouver. Et vous allez vous retrouver parce que je suis en train de vous filmer. Voilà. Voilà, donc la voiture balai, on est toujours aujourd'hui. C'est sympa aujourd'hui, hein, d'accord, c'est le 8e, on se connaît tous. Enfin, vous me connaissez plus que moi parce que bon, c'est vrai que... Voilà, la voiture de fin est ici. Donc on va faire comme d'habitude, je vous propose d'aller de nouveau au début. Vous me dites 1300, monsieur. Je vous remercie, voilà. Donc vous voyez, entre mon chiffre de 1000 personnes et ce monsieur qui vient de comptabiliser, qui a l'habitude, qui trouve 1300 personnes, à peu près, donc encore une fois, à 50 près. Vous voyez qu'on ne dit pas de bêtises sur Platine Web TV. Et voilà.
Encore une fois, 1000, 1200, 1300 personnes très motivées à La Rochelle aujourd'hui pour ce 8e rendez-vous, ce 8e appel national contre le pass sanitaire et tout ce qui va avec notamment les 12-17 à partir du 30 septembre pour la vaccination. Les voilà qui arrivent avec la tour au loin. Et là, vous allez voir. Voilà, mesdames, messieurs. Alors, vous avez compris, je vous en parle depuis plusieurs semaines. Et vous le voyez, dans les commerçants, les établissements qui sont là, dans cette rue, eh bien, vous l'avez vu, la cave à Sceaux, hein, c'est ça? À chaque fois, applaudis, encourage, ils travaillent, c'est normal, ils ont eux aussi à faire... mettre le pass. Donc si jamais vous avez de venir boire un coup dans le quartier du Gabu comme commerçants qui participent et qui sont compréhensibles avec les gens qui manifestent, les gens qui ont peur, les gens qui voudraient se faire vacciner mais qui ont peur, on les oublie ceux-là. Nous sommes sur le port et vous allez voir le début du cortège jusqu'à la fin pour savoir si on confirme les 1300 participants pour ce 8e appel national ici à La Rochelle. Voilà les Rochelais, messieurs, dames. Point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage, mesdames, messieurs, c'est ce qui est écrit sur cette pancarte. Liberté de choisir,
Et j'en profite encore une fois pour vous faire remarquer, est-ce que j'ai besoin de vous faire remarquer que la majorité du public sont des gens qui ont plus de 50, 60 ans. Ça n'est pas, ce sont des jeunes, mais ce ne sont plus des tout jeunes quand même. Voilà encore un média. Voilà, le groupe Eto derrière. Hein. On va qualifier ça de groupe Eto. Voilà, entre nous culture qui est aussi présent aujourd'hui, comme beaucoup d'autres médias. Donc voilà, ça s'est un petit peu arrêté là. Là, c'est arrêté. Pour l'instant, c'est arrêté. Le temps, effectivement, que tout le monde revienne. Il y en a qui courent un petit peu moins vite, ou du moins qui marchent un peu moins vite. Donc, il faut attendre. Là, la semaine dernière, ils avaient mis tous les ados devant. Waouh, ça... Ils ont failli battre le record du Sunbolt hein, aux 100 mètres. Hein. Il y a toujours beaucoup de monde aussi à la fin, normalement, du défilé. Dans les défilés, vous avez toujours... Le début, comme ça, après ça se calme au milieu, puis alors vers la fin, voilà, c'est reparti devant, on dirait. Regardez. Voilà une belle image. On manifeste ensemble, on est amoureux, on se tient par les bras, mais liberté pour tous, surtout pour nos enfants qui ont le droit de vivre. C'est ce qu'il y avait écrit sur la pancarte. Allez, on est parti. We'll be right back.
le monde se tient la main. 1300 personnes vont se tenir la main, mesdames, messieurs. Voilà, tout le monde arrive à place de Verdun. Un peu les poils, mesdames, messieurs, là, en direct de la place de Verdun. Ceux qui n'entendent pas derrière, essayez de vous rapprocher parce qu'on ne voudrait pas quand même perdre du monde, comme samedi dernier. Là, maintenant, on nous a prêté généreusement du matos. Super, merci. C'est bien là qu'on s'aperçoit qu'on compte tous ensemble, on peut y arriver. Donc, merci. Ils s'opposent parce que moi, je suis parent, je suis comme vous. Voilà, c'est pas facile de dire à ma fille. Ben non, écoute, je veux te protéger pendant que d'autre côté, on a un discours en disant ben, mais toutes mes copines sont vaccinées ou injectées. Donc là-dessus aussi, on a un devoir vraiment de s'acharner, je dis bien de s'acharner, pour qu'on puisse avoir des messages clairs, des messages honorables, mais des messages de protection. On se le doit. Alors pour nos enfants, pour la liberté, et pour nous, pour ce pass sanitaire, et tout ce qui va en découdre derrière, faites du bruit! Mesdames, messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. N'oubliez pas une date importante, le 30 septembre, c'est la date pour l'injection au 12-17 et le pass sanitaire obligatoire pour les sorties scolaires. Je voulais terminer avec ça. Allez, ils sont partis, mesdames, messieurs. C'était 1000 à 1300 personnes, 1000 à 1300 Rochelais qui sont venus défiler, qui sont venus contester depuis 8 semaines. Et ils repartent donc en direction de l'aquarium avec un arrêt à Sud-Ouest et à France Bleu. C'était DJ Mercus avec vous pour ce 8e mouvement, cette 8e réunion. On se retrouve certainement samedi à partir de 13h30 et bien sûr avant s'il se passe quelque chose à La Rochelle.
Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de journée. Merci encore une fois d'être fidèle à Platine Web TV. À bientôt. Salut.